Coucou, on a reçu un petit colis, on attend un deuxième, je vais vous présenter sans tarder celui-ci déjà, et puis il y en aura un autre qui va venir. Celui-ci, il vient de chez... je vais vous dire tout ça. Eh bien, je vais vous dire tout ça tout de suite quand je vais vous déballer ceci. Eh bien, on va ouvrir le petit carton. J'espère qu'il y a une facture à l'intérieur pour que je puisse vous dire d'où ça vient. Ça vient d'un site. En fait, c'était pour... On a tout commandé exprès pour faire des petits gâteaux que je vais essayer de filmer et vous les présenter. Sinon, je vous mettrai aussi un bar... Enfin, dans la vidéo, je vous mettrai une photo que j'ai trouvée sur YouTube. J'ai pris un prime écran pour justement pour vous montrer comment sont ces gâteaux. Et si jamais on réussit, bah, je vais vous montrer comment on a fait les gâteaux. Donc, ça vient du site Cuisine Addict. Et on attend un autre petit colis aussi d'un autre site. Je vous dirai ce que c'est après. Donc là, dans ce colis, vous en avez pour 30,75 € plus 6,13 € de livraison. Donc en fait, en tout, ça fait 36,88 €. J'ai commandé le 9 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre. Donc c'est arrivé relativement vite. Hein. Et c'est bien emballé. Par contre, là, autant de papier juste pour ça. Okay. Donc, on va regarder ça. Donc j'ai commandé... Voilà. J'ai commandé un... découpoir, ils appellent ça, découpoir rond uni inox 4 cm, il a coûté 2,59 €. Bon, moi j'ai pensé que ça s'appelait n'importe pièce. Par contre, ce que j'aime moins, c'est que ici ça se décolle. Ça, c'est pas cool. Je vais essayer de le resserrer avec une pince, mais ça, ça peut gêner notre déco en fait. Qu'on va faire, bref, je vais regarder ça. Donc voilà, il est comme ça. Je vous laisserai le site en barre d'infos si vous voulez. En fait, c'est le site que la fille, elle conseillait, celle qui faisait cette vidéo YouTube, elle conseillait donc les objets avec lesquels elle a utilisé. Et par contre, franchement, ça, c'est vraiment dégueulasse. Hein. On voit ici comment il est mal fait. Bon, ensuite, j'ai pris les décors en sucre, flocons d'eau neige. Ça, c'était conseillé et c'est ce que je voulais. En fait, c'est des petites étoiles, hein. C'est des flocons d'eau neige. Voilà. Voilà, ici vous les voyez mieux. Il y a des bleus, il y a des blancs. Nous, on veut faire un déco, enfin, des gâteaux blancs et des gâteaux rouges avec des étoiles, des flocons blancs sur du rouge et bleus sur du blanc. Ensuite, ça coûtait 3,39 €. Fun Cake, c'est la marque. Dedans, vous avez 50 grammes. Donc, j'avais commandé deux colorants Veli Spray. Donc, c'est... C'est style velvet en fait, si vous voulez. C'est le beurre de cacao. Et donc, dedans, vous avez les couleurs donc blanc neutre et puis rouge. Et chacun coûtait 12,50 € pour 250 ml. C'est assez doux quand on touche comme ça. Enfin, on sent un peu de... Comment, c'est pas vraiment liquide. On dirait que c'est un peu comme un nuage. Voilà, donc je sais pas s'il y a tout. Franchement, je suis un petit peu perplexe là. J'ai l'impression qu'il y avait... J'espère qu'on a commandé les perles, parce qu'il va nous manquer là. Et puis là, ils ont mis un petit calendrier, les fruits et légumes de saison. C'est sympa. Bon, c'est sympa accroché au frigo, mais nous, notre frigo, il est caché derrière le meuble. Mais enfin bon, je vais le laisser dans la cuisine, ça peut servir. Voilà, donc on attend le deuxième colis. Bon, décidément, le soleil se cache tout le temps, c'est pas terrible. Alors, là... Il y a le deuxième colis de site Ma Spatule. Par contre, je n'ai aucun prix dans les factures. Je vais essayer de vous trouver ça. Ils voulaient mettre en barre d'infos. En barre d'infos ou bien dans la vidéo directement. Donc, on a commandé ceci. Ce sont des petites perles en sucre qui vont faire office de décor. Voilà. Ensuite, c'est une marque Fun Cakes. Je crois que les autres sont de la même marque. On a commandé ceci. Ce sont des moules pour faire justement, pour faire ces petits gâteaux qu'on va faire. Je vous mettrai aussi en photo ici, si jamais voilà, on a tout réussi et que je n'ai pas oublié, je vous le mettrai en vidéo ici aussi, dans cette vidéo. Donc là, ce sont des moules 100% silicone. Je crois que c'est fait en Italie. Je crois qu'il y a tout qui vient de leur site et fait en Italie. Je ne sais pas d'où vient celle-ci. En tout cas, elles vont bien au four à micro-ondes. Elles vont bien au four, ce qui est normal. Elles vont bien dans la machine à lave-vaisselle. Elles vont bien dans le congèle.
Trop bien. Ce sont des moules de cuisson, donc ça, matière grasse, ce qui est très très bien aussi. Et ils font 4 mm, ils font 40 mm, donc 4 cm. Ce sont des demi-sphères qui vont servir des inserts en chocolat pour mettre dans ces moules-là en silicone également. Elles sont faites en Italie. Franchement, on peut faire des belles choses. 3D design, c'est marqué. Je vais vous montrer comment ça se présente. C'est, voilà, ce sont des moules comme ceci. Ça s'appelle Silicomar Dolce Tartufo. Donc nous, on avait commandé des tartufos, il n'y en avait plus. On nous a envoyé celle-ci, évidemment, en nous posant la question au préalable si on était d'accord. Donc nous, on était d'accord. Et donc celles-ci, elles font 62 mm de hauteur et 52 mm de diamètre. Donc ici, ça s'ouvre un petit peu. Vous voyez, vous mettez votre insert et puis ça se pose aussi facilement parce que ces endroits-là, ils sont aplatis exprès pour pouvoir bien poser vos boules. Et puis, vous obtenez les jolies boules pour Noël, enfin, les jolis gâteaux ronds. Dans notre cas, ce sont des boules qu'on va faire comme des boules pour le sapin. Et donc dedans, il y avait cette petite brochure où ils expliquent comment on peut faire certaines recettes. Et puis j'ai trouvé aussi ceci, c'est les Comart. Donc franchement là, c'est pas mal parce que vous avez plein d'idées avec évidemment leur moule chez eux qu'on peut en acheter encore et faire de vraiment très très belles choses. Regardez comment c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Et je suis déjà tentée. Et puis pour mon anniversaire, ils m'ont offert 10% de remise. Donc je pense que je vais craquer dans pas très longtemps pour m'en acheter encore, pour nous en acheter encore des jolis moules dans ce style. Voilà, donc on attend la suite. Je vais les récupérer demain et je présenterai la suite demain. Je pense qu'il y aura des doublons, mais enfin bon, voilà. Donc mon deuxième colis est arrivé de chez Addict Cuisine. Oh, c'est tout petit, moi j'ai pensé que c'était beaucoup plus gros. Mais ça, c'est tout petit, c'est archi petit. Dégoûtée pour ça par contre. J'aurais pu en faire deux. Bref, on se retrouve à nouveau avec le calendrier des fruits et légumes par saison. On avait peur de ne pas avoir assez, vous voyez, c'est ce que je vous ai montré hier. Bah, c'est à peu près pareil. Hein. J'ai l'impression que ce sont des trucs un peu plus petits que les autres. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins profonds. Et c'est pas la même marque, vous voyez. Donc, bon. Ça, c'est ma lard ferrière, moule en silicone, made in Italy aussi. Et là, c'est des demi-sphères de 40 mm. Enfin, comme celle-ci, enfin, bon, voilà. Est-ce qu'on a les prix ici? Oui. Demi-sphères, 4 cm, hauteur de 2 cm. 9,84 € pour celle-ci. Ensuite... Bah encore un doublon, c'est ça. 2,95 € pour le mélange de perles en sucre bleu et blanc. Et donc là, il y a les grammes, donc 60 grammes, parce que dans l'autre, j'ai pas pu vous le dire, j'ai pas pu le trouver. Donc il y a 60 grammes, ici c'est bien marqué, peut-être que dans l'autre c'était marqué aussi. Enfin bon, voilà, marque pareil, Fun Cakes, donc on en aura plein hein, de perles. Puis j'ai pris une spatule coudée, en inox 19 cm. De longueur et elle a coûté 9,90 €. Bon, vous allez me dire c'était peut-être un peu cher, j'en sais rien. Franchement, j'ai même pas regardé combien ça pouvait vouloir dans un magasin. De toute façon, je vais retirer les emballages parce qu'on aura besoin de suite. Hein. Et il faut que j'annule un truc dans la commande parce qu'on a déjà reçu ce qu'il nous faut. Voilà, donc la spatule. Ensuite, ça. Franchement, j'ai pensé que ça allait avoir plus de taille que ça. Enfin, ce sera plus grand. Et là, du coup, ça fait... je sais pas, ils ont pas mis le diamètre. Mais moi, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus grand que ça. Donc, je vais quand même voir sur le site ce que j'ai commandé. Je l'ai payé 6,48 €. Bon, mais ça me paraît vachement petit. Vous voyez, c'est trop petit, quoi. Ça fait... je pense que ça fait même pas 20 cm, au pire ça fait 20 cm, pas plus. Donc si vous faites un glaçage d'un gâteau qui fait plus grand que ça, bah c'est foutu. Donc c'est vraiment pour des toutes petites pièces, et ben je pense qu'on pourra mettre ici 3-4 boules, hein, pas plus. Hein. Bon. Un peu dégoûté par la taille, mais par la qualité, non. Ensuite,
J'ai pris un truc pour tester. Ce moule-là, il a coûté 18,89€. Silicomar, la marque Silicomar. Aussi fait en Italie. 3D Design. Bon, c'est un peu percé. Je vais voir s'il n'est pas abîmé, le moule. C'est pour faire des beaux gâteaux comme ça, vous voyez. Franchement, j'adore comment il est. Donc là-dedans, vous avez encore cette petite brochure avec les présentations, comme dans l'autre. Hein. Et là, vous avez ce moule. Très sympa. Franchement, on peut faire des belles choses avec, je pense. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est parce que j'ai vu une recette. Enfin, j'ai pas vu une recette, mais j'ai vu un gâteau. Voilà, j'ai vu celui-ci. J'ai vu un autre qui faisait un peu comme si c'était de la lave qui s'écoulait. Enfin, ça a donné vraiment envie de le prendre. Je sais pas s'il y en a ici. Non, il y en a pas ici. Mais j'aime beaucoup aussi celui-ci. Il me tente pas mal. Ça fait comme des petits cœurs quand on découpe. Bon, à voir. Voilà, en tout cas, je suis contente pour le moule. Je sais pas si je vais garder tout ça dans les cartons. Peut-être pas. Ce sera peut-être moins pratique. Bref, pour le moment, c'est comme ça. Et puis, on va voir. Voilà, je pense que pour tout ce qui est cuisine, c'était tout. Merci pour votre attention. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très très bientôt.